Le week-end dernier, il nous est arrivé un truc de dingue, Tony et moi. Alors qu'on rentrait d'un bivouac, sur le chemin, nous avons croisé des vaches agressives qui nous ont barré l'accès vers la sortie. Du coup, pour rejoindre le véhicule, ça a été un cauchemar. Mais bon, je te laisse regarder ça. Tu sais ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la première fois qu'il est bon. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il a peur. Toi aussi t'as peur. Oh putain. Ricky. Oh, elle a mis le but à coup de corne, t'as vu? Et c'est là qui nous bloque la route. Et c'est là aussi, et le chemin, le seul chemin qu'il y a, il est ici, là, à la petite barrière. Au-dessus, c'est une clôture électrique. C'est chaud. Je crois qu'on va se faire défoncer, là. Elles ont pas l'air contentes, là. Elles nous suivent, hein, depuis tout à l'heure, quand même. Je crois qu'on est bloqué en plus. Alexis, il est là, et elles sont devant. Bon, on passe par le côté, tiens le cours. Tiens le cours. Ah, ça se pique, hein. Je suis sur le kamikaze. Viens, serre sur la droite. Elles ont peur. Ouais, je crois que je vais me faire niquer là. Je sais pas. Plutôt bas. Je crois qu'elle va me défoncer. Là, en fait, on est pris un sandwich. C'est chaud. Je vais me faire charger. Elle va me charger. Alors les amis, là c'est chaud, la situation est tendue. À chaque fois que j'essaie de passer, j'ai la vache là devant qui me charge. Derrière, bah, c'est pareil, si on essaie de reculer parce qu'on voulait passer par au-dessus là. Du coup on peut pas passer. De l'autre côté c'est le ravin, je vous montre vite fait. Avec des ronces bien sûr. Bah, c'est génial. Bon, j'ai coupé deux petites secondes là, histoire de récupérer un truc dans mes poches. Et là, elle a avancé. Essaye de pas t'accrocher au fil, hein. C'est une petite clôture électrifiée. Elle se rapproche de plus en plus, et c'est un truc de dingue. Je pense qu'elle va... Elle va m'embrocher. Tu prends ce paquet ? Mets-le à l'abri là direct. Vas-y, je lâche. Je sais pas, c'est pas beaucoup. C'est du 12, du 24, je sais pas. Mais... C'est bon, on lui passe en dessous. C'est dangereux, toi. Eh ouais, il y a les pieds derrière. C'est pour ça qu'elle fait barrage. Là, elle a rien à perdre, hein. Nous, par contre, elle me fait un regard. Je pense qu'elle veut me croquer, elle aussi. Elle là, elle veut me défoncer. Elle me charge. À chaque fois que j'avance, elle me charge. Je peux pas passer. C'est un truc de fou. Regardez. Ah, c'est bon, c'est bon. Hop, 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 hop. Oh putain. Oh, c'est chaud. Je suis dans la merde. Et toi, bois, putain. À bois un peu. Fais leur peur, sérieux. Tu veux la main? Je t'aide. Non, c'est bon, c'est bon. Viens, Swaggy, viens. C'est le sac qui m'entraîne. Oh là, je crois que je vais déguster. Je vais toucher la clôture. Oh, je suis dans la merde. J'ai les pompes qui glissent en plus. C'est du plastique. Oh, je vais prendre le jus là. Allez, filet. Attends, il bouge. Oh, les petits commencent à passer là. Bouge pas, essaie de tenir. Allez,
approximativement. Il y a une voiture. Il va nous ramener les vaches ici, sérieux. Oh, c'est bon. Je crois que c'est le berger. Non mais c'est cool, en fait il les a rabattus et il nous fait partir le dernier pour qu'on puisse on puisse enfin bouger, ça va, et en plus il est cool. Au début j'ai eu peur puisque on est parti dans son terrain en haut et je pensais qu'on allait se faire défoncer quoi, puis au final non, il a compris. Bon ben voilà, sauvé. Sauvé par le berger. Bon, on a eu chaud, hein, ça va. J'ai assis dans les clous. Bonne expérience, ouais.